encore 2 ans. Je vends des bretelles encore 2 ans. Hein, tu vois. Alors en 73, j'écris. Hein. Et puis si un jour on les rencontre en 73, ils diront, moi je continue à vendre mes cornichons, je vis avec mes cornichons, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai une petite amie, ma voiture est vieille, je vends des cornichons jusqu'en 75, et en 75, j'écris un livre. Le livre est en symbole. Moi je crois que bretelles ou cornichons, quand on a envie de faire un truc, il faut plonger comme un fou et le faire, quitte à se tromper. Je préfère plonger. Je plonge. Un homme normal rêve de foutre le camp des espèces d'aventures, quelles qu'elles soient, même si le gars est fonctionnaire depuis 40 ans. Quand on le voit un soir avec qui essaie de se libérer un peu, il vous dit, j'aurais voulu être pilote, j'aurais voulu être machin. J'ai dit, tous les hommes ont envie de faire quelque chose. Et les hommes ne sont malheureux que dans la mesure où ils n'assument pas les rêves qu'ils ont. J'aime pas les gens. Parce que la bêtise, c'est la paresse. On ne fera jamais croire que. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit, ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Il se botte pas le cul tous les matins en disant, c'est pas assez. Tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est la paresse, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Thank you.
c'est d'assumer sa peur. Ça, c'est ça. Mais qu'on ne vient pas me dire quand il n'a pas peur, c'est un fou. Il faut l'enfermer. Mais c'est ce besoin qu'il a. C'est pas un besoin. Je trouve ça normal. Oui, c'est ça. Je trouve anormal de refuser la peur tout le temps. Je trouve anormal cette espèce de sécurité qu'ont bien des gens. Je ne leur en veux pas du tout. Bon sang, je les aime bien, que je les respecte. Mais je ne pourrais pas moins vivre. Peut-être que j'ai trop de santé, t'en parlais. Peut-être que. Mais vivre sans avoir peur, sans cette espèce de notion. Mais calculer, pas bêtement, hein, pas du tout. Mais c'est pas vivre, enfin. Il vaut mieux être mort, quoi. Je crois qu'il faut arriver à, par discipline, à n'avoir que des tentations, mettons, relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber. Voilà. Comprenez. Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible. Ce qu'il y a de plus dur pour un homme qui habiterait Villevorde et qui veut aller vivre en couple, c'est pas d'aller en couple, c'est de quitter Villevorde. C'est ça qui est difficile. C'est que ça qui est difficile. Parce qu'après on comble, tout s'arrange. Il suffit d'avoir une santé et une folie. Ballroom late at night. Walk the
now, not me.